Sur le Head Volk 1972, 6 coureurs ont profité des monts pour s'isoler à l'avant de la course. Finalement, dans l'ultime ligne droite, ils sont 4 à se disputer au sprint la victoire sur cette édition du Head Volk. Et le plus rapide après 198 km, après un gros travail de son équipier Joseph Abelhausen, eh bien c'est Franz Verbeek, vainqueur du Tour du Haut-Var quelques jours plus tôt, qui s'impose devant André Diéric, le champion du monde Eddy Merckx et Willy De Geest. Un groupe réglé par Walter Gottfried va terminer à 28 secondes. C'est le second victoire de Verbeek sur le Head Volk après 1970.